où on meurt pour nous-mêmes. On meurt pour nos propres biens. On meurt pour que nos matières premières puissent être vendues à bon essai. Vous voyez un peu. Donc, pour dire que le gars, il est fini, il est ceci, il est cela, hier, yeah, nous étions seuls face à tout le monde. Aujourd'hui, presque la moitié, même, je vais dire presque plus de la moitié, m'ont compris le combat. L'AES est avec nous aujourd'hui. Tout le monde est avec nous aujourd'hui. Donc là, c'est dit quoi? Le combat là, on va gagner. Et ça, c'est clair. Et puis même. C'est pas l'AES seulement, c'est tous les Africains, tout le monde entier. Tout à fait. Oui, tout c'est pas l'AES seulement. Même, Hamzo, même en 2010, le combat était gagné, mais ils sont allés outre les lois. Parce que comment aller prendre un président qui est légalement élu dans un pays qui vient le prendre avec une armée depuis l'extérieur? Au fait, ils sont allés outre les lois même pour voir, comment j'ai dit, faire tomber Gbagbo. Le combat avait été gagné parce que vous, de vous à moi, une personne qui dit qu'il a gagné les élections, on dit les bulletins sont là, il faut venir recompter. Tu dis tu as gagné, mais viens compter ce que tu as gagné là. Tu vas prendre ton pouvoir. Il dit qu'il ne veut pas compter. Tu vois un peu? Donc c'était flagrant, mais bon. Tout compte fait, on dit qu'en toute chose, malheur est bon. Donc malheur est arrivé. Je crois que chaque Ivoirien maintenant connaît sa place. Et puis il faut dire qu'il y avait trop de remue-ménage dans ce pays-là. Il n'y avait pas les choses à les placer. Gbagbo l'a dit lors de sa sortie, je crois, c'était à Benoît. Il dit on ne savait pas qui se cachait derrière. Maintenant, on sait. C'est pour dire quoi? Et si c'est moi, là, j'ai fini. Lorsqu'on veut, qu'on crée un vaccin d'un médicament, là, on donne la maladie vieillissant. De telle sorte que la plupart de tout ce qui va contre cette maladie-là, apprend comment est-ce qu'on tue la maladie vieillissant. Et puis quand la maladie vient réellement, là, ils savent déjà comment ils ont tué la maladie vieillissant et puis ils se contentent de ça pour pouvoir combattre la maladie. Pour dire quoi? On a appris de nos erreurs. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, il ne faudrait plus que ça se passe. Les choses seront mises. Moi, je suis au Maroc, je vis au Maroc. Ici, au Maroc, tu n'as pas besoin. Frère, même si tu es né marocain, tu connais ta place. Donc, c'est tout ça là qu'il faut regarder. Il y avait trop de remue-ménage en Côte d'Ivoire. Des syndicats par-ci, des choses par-là. C'est eux qui sont venus, tout là, Maralogo, c'est eux qui étaient, comment dire, les supports de commandants invisibles. Pour dire quoi? Il y avait trop de remue-ménage en Côte d'Ivoire. C'est plus ça, Gbagbo dit qu'il va venir au pouvoir mettre les points ici, il va fixer le clou. Et c'est ce clou-là qu'on va fixer. Plus jamais ces jeunes choses vont se passer parce que la plupart de la sous-région a compris. Dieu merci, ils ont compris le combat qu'on avait compris hier. Aujourd'hui, on monte dans le même wagon et puis on va pour libérer l'Afrique entière. Cette génération ne peut pas passer. La génération de Lumumba l'a passé, mais cette génération-là, avec l'avènement des multimédias, les Facebook, le Meta, tout ça, là, on va se servir de ça pour que cette génération puisse être libérée à jamais de l'oppression de l'Europe. Donc, c'était ce que j'avais à dire. Puis, merci bien, Vincent. Mon frère, merci beaucoup, Djilitatou. Merci, mon frère. Merci, mon frère, Djilitatou. Ferme ton micro, Armand. Ferme ton micro. Bonsoir, l'ordinateur PC. Bonsoir. Bonsoir, PC. Bonsoir. Bonsoir, enfant perdu, bonsoir à tout le monde. Ok, vraiment, je suis monté, je ne fais pas la grande forme actuellement, mais je suis monté pour dire merci au frère Delano. Voilà, je suis monté pour dire merci au frère Delano. Et puis, vous profitez aussi, vous tous qui veillez, à ce que la Côte d'Ivoire regagne son lustre d'antan avec le président Laurent Gbagbo à sa tête. Donc, je suis monté juste pour vous dire merci, parce que nous sommes déjà aguerris. Et c'est un plaisir pour moi de vous voir toujours au combat. Je ne me sens pas bien en forme, mais je suis monté parce que vraiment, j'ai pris Delano en cours. Mais il disait des choses très, 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 très avancées. Et je pense bien que, enfant perdu, à travers ce que Delano a dit, tu as compris beaucoup de choses. On était toujours dans l'émotion. Mais il a touché encore des choses plus avancées. L'ordinateur, donc, est-ce que tu es là? PC, l'ordinateur. Dieu merci. On va se comprendre. On se met ensemble pour le bon combat. PC, okay. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'attends? Ok. Donc, merci beaucoup au frère Delano. Je me suis abonné à lui. Voilà, qu'il s'abonne à moi pour qu'on se donne des informations. Voilà. Est-ce que tu m'attends, PC? Merci PC, beaucoup est-ce à que tout tu monde. M'attends? Est-ce que merci. Tu as bon réseau? En frère PC n'a pas bon réseau. PC, tu as bon réseau, PC, tu m'entends? PC. En bas, hein, commandant, ici en bas, il tapote. D'accord? Ici en bas. Tranquille. Ah, mon frère PC n'a pas bon réseau.
Alors, si, si je vois l'ordinateur PC qui félicite Milano, la magie, alors c'est que Milano, tu as la profondeur. Tu es maïcien vraiment. Le stratège, toujours. C'est confirmé, c'est bouclé. Non. Ouais, le réseau, André, ton réseau là n'est pas trop ça. Ton réseau n'est pas trop ça, vieux. Ah, ok. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire? Tu veux poser une question, Armand, à la magie? Arnaud ou bien quoi, là? Ouais, c'est Arnaud, c'est Arnaud. Je revenais pour continuer ma conversation avec Delano. Je ne sais pas s'il est encore là. Oui, je suis là. Delano. Je suis là, frère. Voilà. On était en train d'échanger là et puis on nous a interrompu. Bon, moi je demandais quelle était notre conduite à tenir vis-à-vis de Afi Nguessan et du FPI. Bon, moi, tel que connaît le président Laurent Gbagbo, tu sais, quand il y a des traites, il faut les piéger. Tu comprends? Ouattara avait montré toutes ses lacunes au pouvoir en faisant des déguerpissements, en appauvrissant les populations, les arrestations par-ci, par-là. Donc, il peut dire que tout le peuple entier, même la sous-région, était contre Ouattara. Maintenant, où Gbagbo va piéger tous ces gars-là? C'est dans l'appel de Benoît. Il dit non, venez me rejoindre dans l'appel de Benoît. On va s'associer pour dégager le pouvoir. Où le chauve de Guy Béroua n'est pas stratège, il devait s'être bien analysé la réponse. Il sort, il dit non, lui ne s'associe pas pour enlever quelqu'un. Déjà, même la femme Djula, qui était RDR, elle sait déjà que Blé Goudé, c'est un faux type. Parce qu'aujourd'hui, où on est arrivé, ce n'est pas une question d'enlever Ouattara parce qu'il est Djula ou bien parce qu'il est RDR. Non, c'est enlever l'épine ou bien guérir la Côte d'Ivoire du virus. Qui a pénétré la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire était un corps. Donc, je pense qu'avec les AFI, Simone, il a piégé Simone. Simone, elle allait faire l'appel de Benoît. Mais le leader charismatique de l'opposition a fait un appel à Benoît. Toi, tu vas faire le même appel à Benoît. Tu as vu que Soro Guillaume et son parti n'ont pas répondu. AFI n'a pas répondu. Bon, ça, on met en suspens. Mais le PPACI n'a pas répondu. Elle s'est fait piéger. Au fur et à mesure, ils vont s'enfoncer comme ça et ils vont se faire détester par la population et ils seront isolés. Ça, c'est une stratégie, une sagesse de Gbagbo. On continue seulement. C'est clair. Il a répondu. Alors, qui est là? Jimao ou bien quoi là? Bonjour, merci. Jimao. Merci de l'amour. Jimao, bonjour. Oui, bonjour. Tu vas bien? Ouais, ça va. Ah ouais, aujourd'hui, là, t'es pas sur le panel des autres. Ouais, bon, on est avec toi. Ouais, bon, je remercie Delano et tout ce qu'il a dit là. Et c'est un truc qu'on savait aussi. Bon, quand on fouille de temps en temps dans les revues par-ci par-là, on essaie de connecter un peu par-ci par-là. Et là, on voit que tout ce qu'il a été dit là, c'est ce qui a été dit depuis longtemps. Mais il a dit plein de choses encore qu'on ne savait pas aussi. Et je vais parler de, comment on appelle, quand notre président Laurent Gbagbo est venu à l'aéroport, et puis son ex-femme allait le rejoindre, il avait dit déjà qu'il ne faut pas venir, mais elle est quand même venue, c'est exprès. Et après ça, quand elle est rentrée chez elle, si vous avez vu des vidéos, elle a fait quoi? Elle a ouvert une bouteille de champagne. Ça veut dire que ce qu'elle avait fait là, elle a réussi. C'était pour foutre le trouble. Déjà. Et ce que Delano a dit là, elle a dit ça, mais elle n'a pas parlé de cette partie-là. Je ne sais pas s'il a eu la vidéo. Mais bon, ce sont des stratèges. Et puis, je me réjouis encore que l'autre président soit revenu. Moi, je ne le connais pas, hein, je ne l'ai jamais vu. Le président Gbagbo, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire depuis 1984. Et donc, on connaissait que vous fouillez. Mais la première fois que j'ai vu M. Laurent Gbagbo à la télé, on parlait de lui, j'étais déjà séduit par le bonhomme. Et quand on voyait sa face déjà,
J'étais déjà séduit par son comportement, sa manière de parler, sa manière de gouverner, tu vois. Il se met au diapason de tout le monde. Quand tu le vois quelque part, il se met à ton niveau. L'autre qui est là aujourd'hui, quand il est venu faire son, comment on appelle, son discours pour passer, comment on appelle, pour la présidente, tout ça là, il disait quoi? Ouais, bon, je vais donner des milliards à chaque Ivoirien. Je vais ceci, cela. Oh, tout ça, c'est des mensonges. Bon, on sait. Et concernant le président, l'ex-président qui est décédé, lui, on sait bien, hein, ça je l'ai toujours dit dans l'autre panel aussi, que, qu'il était troisième, il était deuxième. Hassan était troisième. Mais il y a un truc qui a été déjà formulé depuis Istanbul, depuis 2000 là-bas, les Chirac là. Vous savez, les Chirac, on n'a jamais aimé Gbagbo, hein, parce que Gbagbo, c'est un gaulliste. Et eux, et non, c'est un socialiste. Eux, c'était des gaullistes. Les Chirac, là, c'était les petits d'Oufri. Donc, même Bourget même le dit dans ses trucs, son père, il était toujours avec la droite, il finançait. C'est, bon, c'est tout ça, au Sénégal, là-bas. Ça a commencé, le magouille d'envoyer de l'argent, tout ça, là, ça a commencé par là-bas. Et ouais, ces petits trucs-là. Bon, ce que je voulais dire aussi, c'est que l'AES, c'est Gbagbo qui a commencé à parler de l'AES, c'est vrai. Hein? Bon, il n'a pas parlé de l'AES, mais on voyait sa politique. Et vous savez ça, quand on fait un rétrospective, on va voir Haïti. Hein? Écoutez, c'est bien ça, celui-là. Haïti, dans le temps, Haïti, pour avoir son indépendance, les Blancs n'ont jamais voulu que Haïti ait son indépendance. Au début, ils ont fait la guerre, les Haïtiens ont gagné. Mais les Blancs, comme ils ne voulaient pas, ils sont revenus encore, ils ont fait payer l'Haïti. Haïti, il y a plus de combien de milliards là? C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, ils sont aussi pauvres que tout. Vous savez, quand Haïti prenait, ils avaient 5 francs, il fallait donner 3 francs et quelques. Et puis, ils avaient le reste. Avec ça, ils ne peuvent pas gouverner. Hein? Et tous les présidents, là, bon, ceux qui sont venus là, avec les délégués qui sont venus, et tout cela, bon, j'ai bafouillé un peu, mais bon, moi, je ne suis pas un grand parleur. Hein? C'est ça qui a prouvé Haïti aujourd'hui là. Et aujourd'hui, comme ça là, tout ce qui se passe là, les Haïtiens, tout ça, ils sont avec nous, dans l'AES là. Et l'AES qui arrive là, c'est un bon truc. Donc Haïti tout seul, mon frère, Zimao, Haïti tout seul, il soutient l'AES actuellement? Et bien sûr, je connais les gens qui étaient derrière, parce que c'est la même politique là. Vous savez la Tour Eiffel, qui a financé la Tour Eiffel? C'est l'argent qu'ils ont pris avec Haïti qui a construit la Tour Eiffel. Et la banque CIC là, c'est l'argent d'Haïti, l'Haïti là qui est devenu, qui a pombé, qui est venu la banque CIC qu'on connaît aujourd'hui là. Et c'est avec ça qu'ils ont construit la Tour Eiffel. Vous voyez, alors que l'Haïtien mourait de faim, mais on prenait leur argent, ils devaient payer, sinon les Blancs sont partis avec 500 canons pour aller bombarder l'Haïtien. Si ils ne payent pas cette somme-là, chaque année, bah on va les détruire. Et c'est pour cela qu'ils ont été obligés de payer. Et voilà ce que nous aussi, on paye. Le Blanc, il n'a rien. Quand vous voyez l'or qu'ils ont ici, qu'ils ont chez eux, mais nous, on n'a pas ça. Alors que c'est l'argent qu'ils prenaient, et l'or qu'ils prenaient, comme on l'appelle chez nous, les diamants, comme on l'appelle. Si demain, il n'y a plus de, comme on l'appelle, France-Afrique, il n'y a plus ça là, les Français sont morts. Ça, il faut reconnaître ça. Mais voilà pourquoi ils ne veulent pas lâcher. Hein? Et puis bon, ce que le frère Delano a dit là, ça c'est un bon régal. Et puis, il faut le suivre. Vous voyez, ça, bon, il en connaît beaucoup, hein. Moi je ne connais pas trop, mais bon, nous, moi, je connais plein de présidents, là, comment on appelle, les Mitterrand, je les ai vus à un mètre de moi, les Chirac, tout ça, là, hein. Même le roi d'Angleterre, tout ça, là, je les ai vus à un mètre de moi, mais ils m'ont rien dit, mais quand j'ai vu Gbagbo, même juste à la télévision, j'étais séduit par ce bonhomme-là. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu merci, il est encore là. Vous voyez, et puis, les gens, bon, ça, ce sont les émotions. En Afrique, on prend ceci, on jette ça là. Ce qui s'est passé entre Gbagbo et sa femme là, son ex, les gens ne savent pas tout ce qui s'est passé.
et ils prennent parti ici parce que soit ça fait des remue-ménages, tout ça, on ne sait pas trop. Mais ce que le frère vient de dire là, il a dit plein de choses. Moi, pour l'ancien, celui qui est décédé là, qui représentait le FPI, comment il s'appelle déjà, hein, et qui est décédé, bon, moi, il ne savait pas ça. Et bien, voilà. Et ça me conforte ce que tu viens de dire, Delano. Ça, quand on voit tout ça là, ça rejoint vraiment ce qui s'est passé. Il faut prendre les petits bouts de papier et puis les rassembler pour faire une bonne page. Et c'est là qu'on comprend tout ça là. Et il y en a plein comme ça. Mais ne vous en faites pas. Et si en 2010, nous, on devait aller voter, on n'a pas pu voter ici en France. On n'a pas pu voter. Pourquoi ? On nous a empêchés de voter. Ouais, on nous a empêchés de voter. Mais on savait que c'était Laurent Gbagbo qui a gagné. Bédier était deuxième. On l'a mis derrière. Et Alassane est parti deuxième. Au deuxième tour aussi, c'est Gbagbo qui a gagné aussi. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné ? J'ai lu quelque part, on me disait que ça, c'était un député qui disait à un autre député. Alors, il dit, mais alors, et Bédier, qu'est-ce qu'il devient ? Il dit, ah, Bédier, il compte son enveloppe et il boit son whisky. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un deal qui a été passé. Donc, toi, tu te mets derrière. L'autre, il va passer. 5 ans après, tu passes. Et après, c'est ça, Guillaume Soro. Ça, c'est un deal qu'ils sont à trois, ils ont fait. Mais finalement, l'autre n'a pas respecté tout ça là. Voilà pourquoi il y a ces remis-ménage là. Guillaume Soro est parti, Bédier est parti. Et voilà, tout ça là, c'est ça qui a fait que aujourd'hui, on en est là. Vous voyez tous ces petits trucs là. Donc, aujourd'hui là, bon, qu'est-ce qu'on va faire en 2025? Bon, prendre les armes. Bon, il faut suivre le président, Gbagbo. On va pas prendre les armes. Mais on va aller dans les urnes, on va gagner. Maintenant, s'il faut faire autre chose, il faut que nous, les Ivoiriens, on sache où habite chaque militaire, où sont chaque militaire, où sont ses parents. On les garantit. Vous tirez, chez vous aussi, de l'autre côté aussi, ils seront pris en otage aussi. Ah oui, si vous tuez les enfants des autres, il faut que chez vous aussi, vous avez les armes, mais nous, on est devant vous, mais derrière, là-bas, vous ne savez pas ce qui se passe, c'est pas chez vous. Si on fait ce genre de trucs, là, ce genre de menaces, ça va aller. Mais quand l'AIA, c'est avec nous, là, au début, moi, je n'étais pas pour aller avec la Russie, tout ça, là, mais finalement, on a commencé à comprendre. Parce qu'il faut avoir un puissant avec vous. Les Blancs, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne veulent pas qu'on soit armés. C'est tout ça, là, c'est pour nous, c'est pour avoir la même mise sur nous. Vous voyez? Aujourd'hui, petit à petit, ça va aller. Ça va aller. C'est Dieu qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Si Laurent Gbagbo, le président Gbagbo, il est revenu, c'est pour que c'est quelque part, il y a un ange quelque part qui nous suit. Parlez aussi, hein. Pardon? Pardon? Ouais. Aujourd'hui, c'est un ange. On veut parler aussi. Ok, on va parler. Ouais, tu vas parler, bien sûr, tu vas parler. Il y a un gars qui... Il y a le maître qui est là, qui suit, qui donne la parole à tout le monde. Quand il va me dire d'arrêter, je vais m'arrêter. Ouais. OK. Ben, enfant perdu, c'est comme ça. Hein. Donc, on va c'est suivre... C'est ça, vas-y. Hein, on va suivre ce qu'on nous dit de faire, c'est ce qu'on va faire. Hein. Mais on est ivoirien, on n'est pas tueur. On n'est pas tueur. Donc, on va suivre ce que notre président nous dira le fait, c'est ce qu'on va faire. Mais, pour moi, c'est nous, on s'est parlé, on connaît pas les armes. On est vrai, le vrai connaît pas la menace. Lui, il sait que parler. Voilà. On sait s'amuser. Et bon, vous voyez, il faut dire merci à tous les frères des autres pays, là. Le Cameroun, tout ça qui était derrière nous depuis au commencement, ça se voyait qu'ils étaient derrière nous jusqu'à maintenant. Et ils sont toujours derrière nous. Nous aussi, il faut qu'on soit derrière eux. Les autres, le Mali, le Burkina Faso, tout ça là, ils n'étaient pas derrière nous, mais aujourd'hui, ils ont compris. Ils ont compris, ils sont derrière nous aussi. Donc, on va aller comme ça avec, hein, on va les suivre.
faut pas les insulter comme dans les autres palais, on voit qu'on les insulte par-ci, par-là. Mais il faut pas les insulter, il faut qu'on s'ensemble. Qui s'assemble, se ressemble. Donc, rassemblons-nous et ressemblons-nous, et puis on va devant. Et tout ce qui va arriver demain, là, si c'est positif, c'est pour nous-mêmes. Si on rate cette fois-ci-là, on est foutu. Ok, merci. Merci beaucoup. Alors, si tu as un dernier mot pour chuter. Ben, c'est ça, comme j'ai dit, bon, un pour tous, tous pour un. Yes. Merci beaucoup. Merci, Jimao. Merci, mon frère. Merci, Jimao. Merci, merci, merci. Encore de là-haut, merci. Merci. Alors, Las Afrique, bonsoir. Bonne arrivée, mon frère Las Afrique. Bonsoir. Bonsoir Delano, bonsoir Aden Zagadou, ma partenaire, bonsoir Hamzo. Aujourd'hui, je ne vais pas parler trop. Tout le monde, tu connais, c'est ça là, c'est. On a eu. Bonsoir. Voilà. Bonsoir, Las Afrique. Voilà. Enfant perdu, il rit déjà parce qu'il sait que moi, j'ai fait monter le mercure. Mais ce soir, je n'ai pas fait monter le mercure. Monsieur Delano nous a délivré, a fait du bien. Maintenant, ma motion. C'est enfant perdu, c'est à toi que j'ai parlé, enfant perdu. Tu as compris maintenant ce que Delano a dit, non, les Clarisse de Nopo, là, il ne faut plus les inviter sur ton panel. Il ne faut plus donner la force à ceux-là maintenant. Aujourd'hui, on sait que ceux qui sont avec nous. Tu as parlé de Clarisse de Nopo, là, ici. Non, pourquoi non, elle n'est pas avec nous. Pourquoi vous êtes comme ça? Non, écoute. Elle n'est laisse pas mon partenaire nous. Parler, laisse mon partenaire parler, enfant perdu. Laisse-le voilà, se dégager, laisse-le parler. Je suis pas venu parler. Ce soir, je ne suis pas venu pour allumer la télévision. Je suis venu dire merci à Delano. Parce qu'il était dans le transport et je l'écoutais. Par moment, le réseau était beau. Il m'a délivré. Là, il m'a remonté encore. Et toi, enfant perdu, toujours on te délivre. Mais comme tu es têtu, demain, tu vas reposer encore les mêmes questions. Parce qu'on se connaît ici. On te dit que Clarisse Nopo ne doit pas monter ici. Parce que c'est une fille qui insulte Gbagbo. Aujourd'hui, Delano t'a dit la vérité. Delano t'a expliqué que Nadi Bamba, que Mme Simon, tout. Il a dit en esprit, tu es un aussi, tu comprends? Donc aujourd'hui, Clarisse Nopo, il ne faut plus l'inviter ici. Elle est RDR, c'est elle qui a assassiné nos parents. Elle veut marcher avec ceux qui l'ont violé. Ton violeur, tu veux t'amener à ton violeur. Elle veut, nous, on veut que la Côte d'Ivoire soit libre. On veut que l'homme qui est derrière toi, notre président, Laurent Gbagbo, revienne au pouvoir. Parce qu'il a été injustement enlevé du pouvoir. Et nous, là, on ne va pas accepter ça. Voilà, 2025, là, ce président, Gbagbo Laurent, il va revenir au pouvoir. Et Delano a fait ma délivrance ce soir. Mon frère Delano, je n'ai pas tout ce que tu as dit, mais je suis tellement content. Avant, pas de tu ris. Parce que Ori, je ne crie pas. Ori, je ne crie pas. Voilà, j'ai dit merci, mon gars. Maintenant, Delano, quel sera le sort de Soro Guillaume? Parce que ce petit rebelle-là, moi, j'ai, voilà, dis-moi son sort sur moi, ce gars-là. Et puis, je vais en agir, je vais parler un peu, puis je m'éteins. Bon, Soro Guillaume, c'est... Je vais faire une petite genèse de Soro Guillaume. Soro Guillaume était déjà à la FECI avec les Damana Pika, c'est la même génération. Et chacun a choisi, arrivé un moment, chacun a choisi selon son clan. Aujourd'hui même, je suis sur le panel je suis souvent sur le panel d'un Soroïs, Ibra la chance. Ils ont compris qu'ils ont choisi le mauvais combat. Maintenant, il y a un frère qui était sur le panel ici qui parlait. C'est comment maintenant. C'est à Soro maintenant de lui-même, en tant que politicien, en tant qu'homme, de faire sa confession face à la nation ivoirienne. Mais ce que nous savons aujourd'hui, où c'est arrivé en Soro et Alassane, c'est un point de non-retour. Et Soro ne peut plus aussi revenir dans le système de l'OTAN parce que le système voulait l'assassiner. Ah là, il n'est pas con. Donc aujourd'hui, Soro... C'est quelqu'un, de gré ou de force, par la force des choses, il est obligé et il n'a eu qu'une seule voie de devenir panafricaniste et de rentrer dans le nationalisme africain. Maintenant, c'est avec la paternité de la rébellion qu'il a assumée, c'est à lui maintenant de savoir trouver les mots et de savoir s'humilier devant la nation ivoirienne. Moi, c'est ce que je vois. Mais... Est-ce que tu es sûr qu'il vient avec nous? Est-ce qu'il est sincère? Parce que c'est un petit. Il y a donné monsieur la dernière question et puis je vais enchaîner puis descendre. Le gars, on sait qu'est-ce que Guillaume. Est-ce que ce gars-là sont sincères? Parce que, vu que moi, les gars, les GPS, tellement ils sont dans le tribalisme, comme le RDR, quand ils sont pas au GPS, ils retournent au RDR. Pourtant, ils voient que Ouattara est un dictateur. Tu vois, non, pour moi, ils sont pas justes. Parce que pour moi, tu peux pas quitter au GPS et aller au RDR. Et quand le RDR quitte au RDR, il migre au GPS. Donc pour moi, la politique est basée sur les tribalistes. Donc pour moi, il me dit que, quand Gbagbo dit venez,
Et donc, il est donc son salut par le président Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi il est venu. Mais après, là, est-ce qu'on va pas faire un coup derrière? Même si Laurent Gbagbo est un grand politicien sachant. Parce que Soro Guillaume, il n'est jamais clair pour moi. Donc, je veux savoir, est-ce que ce n'est pas l'hypocrisie quand il vient avec nous? Est-ce qu'il est sincère? Bon, sincérité ou pas sincérité, en tout cas, j'ai déjà causé les souliers de Paris plein de Soroïs, bien avertis depuis longtemps. Je pense que eux-mêmes, ils ont retourné la veste. Maintenant, le problème aujourd'hui, c'est du salut de Soro, de rentrer dans la nouvelle main tendue par le président Laurent Gbagbo, et ça lui permet de renouer avec le peuple ivoirien, parce que le passé qui l'entache, c'est difficile de l'enlever. Le passé des rebelles, ça, c'est difficile. Si c'était un mouvement estudiantin ou bien un mouvement de revendication, oui, mais le passé des rebelles, c'est difficile de l'entacher, donc... Revenir avec Laurent Gbagbo, c'est important pour lui. Maintenant, aujourd'hui, le vent qui va souffler en Afrique, là, qui a commencé par le Sahel, là, c'est juste un petit vent. C'est-à-dire quand le vent veut souffler, il souffle un peu. Mais le vrai vent arrive et ça va emporter tout. Donc, ça va emporter tout le système, l'ancien système. Et aujourd'hui, ils n'ont qu'à savoir, même les Occidentaux, ceux qui sont bien avertis, même quand tu écoutes certains voyants français, ils te disent, il y a un voyant français qui dit, hein, il dit que la France s'apprête en Côte d'Ivoire, mais il y aura un vent qui sera brutal et violent, qui va tout balayer en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un renouvellement sans précédent. Plein de voyants le disent ici en France. Donc je pense que Soro Guillaume, il a intérêt de marcher au pas, dans la ligne de l'AES et du BRICS, de Laurent Gbagbo, tout ce que ça veut dire. Vous voyez, il ne parle plus. Et Soro, vous allez voir, Soro ne va jamais faire des déclarations sur Gbagbo. Parce que où il est là, il doit son salut à Gbagbo. Sinon, il y a longtemps, il ne serait plus de ce monde. Ils l'ont fermé. C'est pas vous ne savez pas, il y a des choses qu'on peut dire, mais ils l'ont fermé, c'était dur pour lui. Ils l'ont analysé, ils l'ont fermé. Même pour faire ces trucs d'insuffisance rénale, il était obligé de faire ça rapidement, couper en 1 heure, 2 heures, parce que s'il reste dans un coin, on l'attrape. Il était dans les fins fonds de l'Inde. Et on n'a pas dit qu'il était en Europe, mais on est dans les fins fonds de l'Inde. Donc imaginez, c'est là-bas que Awadon Melo, le système de la Russie, du KGB, allait le récupérer. Et puis après, ce qui s'est passé en Turquie là, pour son arrestation, c'était un film. Sinon, il y a longtemps, il l'avait déjà récupéré. C'était juste pour piéger Alassane. Donc, lui, il est dans la ligne droite. Maintenant, entre la communication entre les partisans de Soro et lui-même, il n'y a pas de communication. Voilà pourquoi il se perd depuis, il parle par-ci, par-là. Parce que quand ton leader parle peu, toi aussi, il faut parler peu. Mais beaucoup en parlent, or qu'ils ne savent pas où le leader va. Le leader sait où il est, il sait qui l'a rejoint, il sait à qui il doit son salut. C'est ce que je peux te dire. En tout cas, c'est dans son intérêt, quoi, frère, la Safrique. Merci Delano, merci. Moi, 2025, de toute façon, Ouattara, c'est fini pour lui, 2025. Ce dictateur-là, c'est fini pour lui. J'allais allumer la télévision, mais comme les voisins sont là en France, les murs sont bizarres. Je m'étais, et enfant perdu, tu connais, à des Agodougou, je vais vous laisser demain, dès que tu m'as, je vais allumer Ouattara. Ouattara, cette escule-là, je vais manger ça avec du pain choukouya. C'est comme ça qu'on fait la politique maintenant avec eux. Merci Delano, de temps en temps, viens sur le panel pour nous édifier. Alors, si tu as bien compris le discours,